les annuaires pour référencer son restaurant. Donc, on a parlé de TripAdvisor. Donc là, effectivement, la liste n'est pas exhaustive, mais à retenir, bah, TripAdvisor qui est vraiment plutôt en tête de liste. La fourchette aussi qui a une grande influence. Et puis, hein, même s'ils ne sont pas forcément classés en ordre d'importance, mais celui aussi qui offre toujours une très bonne visibilité sur Internet, quelles que soient les activités, sont les pages jaunes. Donc, une présence sur les pages jaunes, automatiquement, effectivement, on a un référencement déjà de qualité, mais à privilégier, ce sera TripAdvisor. Donc pareil, hein, mise à jour de sa fiche, les visuels, les informations et le contenu. C'est voilà. Là, on a un exemple, c'est une capture d'écran d'une fiche TripAdvisor. Hein, je pense que peut-être que certaines et certains d'entre vous utilisent leur fiche ou tout au moins l'ont revendiquée. Si ce n'est pas le cas, allez regarder sur TripAdvisor, voir si vous n'avez pas votre fiche et si votre fiche n'est pas effectivement, alors d'une part créée, mais surtout pas revendiquée, donc vraisemblablement pas à jour. Donc, ensuite, sur les annuaires, les sites d'avis, voilà les consignes très simples. On met à le jour les infos et encore une fois, puisque ces plateformes permettent de laisser des avis, ah ben c'est là qu'on avait mis la question. Voilà. Et donc, consigne mise à jour des avis et encore une fois, gestion des avis, mise à jour des infos et gestion des avis, encore une fois. Donc, bah, la question, vous y avez répondu. Alors, il y a Aurélie qui nous a réindiqué, effectivement, je n'y réponds pas. Manque de temps et d'idées. Alors, OK. Donc, ça nécessite effectivement, alors, pas répondre aux avis en restauration, ça peut, pour différentes raisons, en fait, être ennuyeux. Surtout lorsqu'on a des notes qui sont inférieures à 4. Et puis, effectivement, il y a la question de gestion des avis, c'est-à-dire d'avoir une action, je dirais, assez active ou proactive pour essayer de collecter ces avis. Alors.